Loupa, épisode 0, let's go. Alors je vais changer le fond d'écran. Écran Loupa. Pas. Guitar Quartz. Artwork. Bien. Ta-da-dan. Tan-tan, ta-da-dan. Bon, Loupa. C'est sur le mauvais écran. Pas bon. Fermer là, si je relance, il va se remettre sur le mauvais écran, je parie. Ah non, c'est bon. Par contre, la résolution à tout de suite. Windowed HTML5 de Temur 3440. Ah oui, d'accord, il n'y a pas de 4K en vrai. Je vais le mettre en 2560 et si je le mets en full screen dans cette résolution. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. Ok, on va le laisser en window. 3440 par 1440. C'est pas grave, j'aurais pas en plein écran moi, mais. Donc le jeu supporte pas le 4K, dommage. Alors, qualité graphique. Ultra. Appliqué. Et d'accord. Alors, si je le mets en 1920 par 1080. Je pense que tu vas voir le jeu. Yes. Mais bon, l'écran est complètement bézax là. Window. Résolution de merde. Donc comme ça, ça passe. Ok. Bon, moi, je l'ai en tout petit par contre. Hein. On va dire que c'est un jeu pour la Switch. Manette. J'ai l'impression qu'il joue à la manette. Contrôleur répondait pas. Je pense que c'est clavier souris. Oh, c'est stylé en vrai. L'ambiance là.
Pourquoi elle est noire la montagne? Moi elle est verte. Ah mais je sais pourquoi. Il y a les filtrages d'air. Alors shift WASD putain la 106. Ah là je suis en 1280 par 720. D'accord. 1920 non. Ok la 106 je peux pas donc je la fais analogiquement. Je crois qu'il joue pas à la manette hein. Contrôleur tu vois est pas... Ah si, contrôleur est reconnu là. Dans les menus il est pas reconnu apparemment. Là, si j'appuie sur les boutons menu là. Non mais à part le stick. Ouais, tu regardes, à part le stick. Une touche est reconnue à part le style. Donc clavier souris. Par contre je me rappelle plus des touches qui sont apparues en haut à droite là. Espace, le bordel pour sprinter là. Oh, ça a l'air d'être stylé hein. Ça a l'air d'être un petit simulateur de marche ambiance avec un renard là. Je crois que j'avais fait un jeu dans le même genre là. Contemplatif. Saute dans le vide. G to dig. Ok, je peux creuser. If someone is reading this, that means you found my diary. For a while, we've been playing problem with our farm animals. This time, our sheep went missing, and I volunteered to go in out wild and find them. Ok, chassons dans la nature. Comment j'enlève le G? Échappe. Moi j'enlève le texte A, F, R, F, V, B, clic droit, E, A, Tab, CTRL, SHIFT, ALT, marcher plus loin. Ah ouais, faut juste avancer. Ben, bon jeu pour ta fille. Ça, c'est un jeu Switch. 100%. Il
Je sais même pas s'il est disponible sur Switch en vrai. Regarde dans la fiche IGDB là en dessous du stream. Si c'est précisé Switch. Nintendo. Nintendo Switch. Ou si c'est juste un indé PC quoi. Un cerf. Ta 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 ta, suce-moi l'oignon. Ils se sont trompés de plateforme. Non, je déconne, mais ils auraient dû, franchement. Pour Switch, ça se vend easy mode. Je crois que les feux, c'est des points de repère en vrai. Un ours. Ok, il t'attaque pas. J'aurais peut-être mieux fait de lire en vrai. I discovered someone living near the valley. Batman gave me bread and eat when I needed it. After a few days, he went for a hunt. He didn't come back. Big brown bear took his rightful home back. Ok, donc c'est le l'ours qui est revenu à sa place après la partie de chasse. Il s'est fait bouffer par l'ours. Censé aller où là? J'ai le double saut?
31 marques, hein. Je sais pas le servent à quoi, mais... Tintintintin. Tintintintin. Fuck me, fuck me. Cut the connection, notice that most of the snowball dead anyway. The only time it seems not frozen, maybe the pack just went too early. But it's a little better. Ah bon? Ah ouais, nouvelle zone. Incroyable. Visage de nuque. C'est ça, ciel jaune vert. Prenez. C'est la map citronnée, les gars. Même le loup est citronné là. Il était bleu dans la zone froide. Ça, c'est quoi, genre automne? Là, il est couleur automne et après, on aura couleur chaude d'été. Ensuite, on aura les ombres, darkness. Ombre et lumière. Stylé en vrai, la musique est bien derrière.
Un chat. Des petits bouts d'histoire au fur et à mesure que tu t'avances. Dans chaque zone. Mais en vrai, je crois qu'ils servent à rien d'autre. Hein. Peut-être pour se repérer aussi, tu vois, si tu tournes un peu en rond. Donc à part comme point de repère... Les feux servent strictement à rien. Un lapin. Chevaux, bordel. Moi, je pénètre dans la tour. Des vaches. Moi j'ai réussi à sauter si haut là.
Nouvelle zone. Beau de ouf en vrai. C'est la musique qui fait tout quasiment. Un géant de pierre. Un golem. Ah non, c'est un arbre. Perspectived. Une baraque là-bas.
Une araignée de ses morts. Un cactus là. Ouais. On est en Amérique là. Serpent. Le saut même là. Des coques.
Là, j'ai pas le droit d'aller là, c'est protégé par le dôme de fer. Je trouve quand même que toutes les cartes là, elles sont harmonieuses, hein. Et un PNJ bordel. Des moutons. Sept sur dix. The end. Alors, 6 sur 10. Je dirais même 5, dommage. À moins qu'il coûte 2,99€. Ok. Épisode Terminares, next game.